Bonjour. Alors le trompe-l'œil, c'est un style de peinture qui plaît généralement, en tout cas qui fait beaucoup d'effets. Au niveau technique, quand on parle de trompe-l'œil, quand on veut réaliser un trompe-l'œil, c'est peinture à l'huile ou peinture acrylique, mais rarement aquarelle. Eh bien c'est ce qu'on va travailler tout de suite, un trompe-l'œil à l'aquarelle. Mon sujet, ce sera une belle brioche bien dorée que j'ai achetée ce matin chez le boulanger. Donc voilà ma brioche, je l'ai mise en situation, c'est-à-dire avec une bonne source de lumière bien orientée, de manière à faire apparaître de belles ombres et de beaux contrastes. Mon matériel, je vais travailler avec de l'aquarelle Sennelier en godet, des petits gris Raphaël numéro 2.0 et numéro 2, un pinceau en martre pointu numéro 3 de chez Raphaël aussi. Et pour le papier, c'est du papier clair Fontaine, la gamme Fontaine, 300 grammes, grain fin. Et bien sûr, un crayon HB pour le dessin. Donc, je démarre mon dessin au crayon HB, un dessin léger, et aussitôt réaliser ma silhouette. Je passe à la mise en couleur avec des lavis d'aquarelle. Très léger pour le moment, très léger en couleur. Donc rassurez-vous, je ne peins pas aussi vite, hein, c'est juste en accéléré. Donc petit à petit, je vais réaliser des lavis colorés différemment, de plus en plus fort. Donc j'ai démarré par des lavis très clairs, que ensuite je force avec des valeurs de plus en plus soutenues. C'est toujours à base d'ocre jaune, de rouge, de terre d'ombre brûlée, terre de sienne brûlée, des valeurs très brunes, très ocre comme ça, que je force petit à petit. Question technique, je pose mon lavis foncé. Que je vais ensuite dégrader simplement avec ma brosse humidifiée, non chargée de couleur, juste humide. Ça permet comme ça de réaliser des beaux fondus. Je travaille toujours, je superpose toujours des glacis sur un travail qui est sec, bien sec. Voilà, je pose une valeur très forte. Donc pour obtenir des couleurs fortes, eh ben, il faut simplement. C'est toujours la même couleur mais avec moins d'eau. Donc je place mon lavis très fort en couleur. Et après avec ma brosse toujours simplement humidifiée, je vais dégrader ces couleurs-là pour réaliser des petits fondus. Alors faut opérer assez rapidement hein, parce que si le lavis a séché, ben, c'est plus possible de dégrader. C'est plus possible de faire des fondus. Voilà, je pose des valeurs fortes. Et avec mon pinceau juste humidifié, de nouveau, je réalise des fondus. Simplement en transportant la couleur dans de l'eau que j'ai posée sur le papier. Donc on le voit petit à petit, je force sur les valeurs, ce qui va donner plus de précision à ma brioche, à mon sujet, forcément. Et ainsi, je vais dessiner tous les reliefs en posant les ombres. Et en posant les ombres, je vais faire sortir les lumières. Donc les lumières, ça sera toutes ces valeurs claires. Quelques petits repiqués avec la martre pour créer un petit grain propre à cette matière, à notre brioche. Alors je force hein, les contrastes. Donc on a ici des valeurs quand même qui sont assez fortes, assez soutenues. Ça représente bien le doré, la croûte dorée de la brioche. Et surtout, l'intérêt c'est que par contraste, ça va faire apparaître des lumières aussi très très puissante, très forte. Donc qui dit contraste fort dit volume. Plus on a de contraste, mieux le volume est rendu.
je cherche à rendre la mie de la brioche avec beaucoup de précision, puisque l'objectif c'est quand même de réaliser un trompe-l'œil. Donc on doit avoir une justesse au niveau de la matière, mais aussi au niveau des couleurs. Là, je repasse sur le fond sec, hein, évidemment, toujours pareil, je travaille humide sur sec. Je repasse un lavis un peu plus teinté de jaune pour avoir plus précisément cette couleur de mie. Et ensuite, je fais des repiquages de ci, de là, pour donner plus de réalisme à ce sujet. Ici, un petit lavis jaune pour raviver, donner un peu plus de chaleur à ma croûte. Avec une brosse dure, humide, je vais frotter à cet endroit précis de ma croûte pour faire ressortir comme un petit effet de brillance, un petit éclat de brillance. Donc c'est j'enlève par frottement, j'enlève la peinture, j'enlève l'aquarelle pour avoir ces petits effets de brillance. Et voilà, pour terminer, je place l'ombre portée de la brioche par terre, avec une ombre qui sera grise, légèrement bleutée. On va voir ça. Donc dans un premier temps, je pose un lavis clair. On fait simplement avec du noir. Du noir et de l'eau. Voilà, je pose le lavis. Vous aurez remarqué que là je suis à vitesse réelle maintenant. L'image n'est pas accélérée. Avec ma brosse simplement humidifiée là, je fonds légèrement les bords de manière à avoir une ombre pas trop nette. Une ombre toujours un petit peu floue, c'est toujours plus joli, quelle que soit la technique. Sur mon lavis sec, je repasse un deuxième, plus concentré en couleur, avec une légère pointe de bleu, très légère. Et je renforce la valeur de l'ombre tout près de ma brioche, pour créer aussi un dégradé dans l'ombre. Alors il y a un détail aussi, un petit truc important à retenir, c'est que nos lavis, quand ils vont sécher, ils vont s'éclaircir, parce que le pigment va être en partie absorbé par le papier. Donc il faut toujours anticiper ce phénomène et pas avoir peur de forcer nos valeurs au départ. On sait, et vous saurez par expérience, qu'en séchant, ça va s'éclaircir. Donc là, je force un corps tout près de la brioche pour avoir une valeur bien foncée. Alors là, ça paraît très fort, hein, ça paraît très fort, mais on va voir qu'en séchant sur le résultat final, que ça va apparaître beaucoup plus tôt que ça ne l'est à ce stade.
Le résultat final, une belle brioche. On a de belles lumières, de beaux contrastes, une ombre qui est légèrement bleutée, qui contraste bien avec les valeurs jaune-orangé de notre brioche. Voilà, c'est efficace, c'est joli et surtout très appétissant. Alors comme j'ai bien bossé, eh bien je vais manger ma petite brioche, ça sera ma récompense avec un bon café. Et je vous dis à bientôt. Au revoir!